tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation des petits canetons. Donc normalement j'étais censée vous en présenter simplement un, mais il s'est avéré que maintenant on en a trois, enfin j'en ai trois à vous présenter. Je suis désolée pour vous d'ailleurs. Je la kidnappe deux secondes pour pouvoir vous parler tranquillement. Donc voilà, donc oui, j'étais censée vous présenter qu'un seul caneton et les autres étaient avec la mère, donc je vous aurais fait une autre vidéo, etc. Sauf que je vais vous expliquer par la suite dans la vidéo pourquoi est-ce que je vous présente les deux autres canetons. Donc là, ils sont juste à côté, donc je vais essayer de vous en prendre un, enfin de vous prendre le premier que je dois vous présenter. Donc c'est parti. Alors, voici le premier. Je vous montre. Voilà, je vous montre un peu plus près. Alors, ce petit bout de chou s'appelle Kinder. C'est le plus gros des trois. Bon, je vais le reposer parce que le pauvre. Donc voilà, ce que je vous ai montré là, c'est Kinder. De toute façon, je vous mettrai des petites vidéos de son arrivée à la maison juste après. Parce que oui, ils sont dans la maison, dans une cage. Voilà. Donc, Kinder, que je vous explique un petit peu. La canne, en fait, il y a eu des premières éclosions, etc. Où il y a eu 5 canetons qui ont éclos. Il restait plus que 2 œufs. Sauf que, étant donné que ça faisait déjà une journée que les canetons étaient sortis des œufs, la canne ne restait plus du tout sur ses œufs. Elle partait, etc. Et donc les œufs allaient être perdus, puisque bah, forcément, si elle ne reste pas dessus, etc., ça allait être compliqué. Donc, ce qu'on a fait, enfin, voilà ce qu'on a fait. Le chéri et moi, on a pris les deux autres œufs qu'on a percés nous-mêmes, qui la coquille n'était pas encore cassée, etc. Mais c'était le seul moyen, on n'avait rien pour les garder au chaud, etc. Donc on a percé les coquilles. Dans la première, enfin le premier œuf qu'on a cassé, il y avait un caneton. Moi j'ai cru qu'il bougeait au début et tout ça, et en fait il s'avérait qu'il ne bougeait, bougeait pas réellement. Parce qu'il était un peu faible, etc. Donc bon bah on l'a laissé de côté, voilà, en pensant qu'il était mort. On a ouvert le deuxième œuf et bon, il n'y avait rien dedans. Voilà, donc voilà, finalement on s'est retrouvé qu'avec un seul œuf, avec le caneton qu'on pensait qui était mort à l'intérieur. Ce qui arrive quand même assez régulièrement, hein. C'est pas la première fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est que bah, on a gardé l'œuf, etc. On est monté faire un ou deux trucs, etc. Et là, on s'est aperçu que le caneton était en train de piailler, on va dire en quelque sorte. Voilà, donc le caneton était en train de piailler. Et donc, on s'est dit, bah, ouais, vivant, etc. On a, en fait, au début, surtout, ce qui nous a fait croire, c'est qu'il avait l'air d'être mal formé, etc. Donc... on ne s'est pas posé plus de questions que ça, mais peut-être oui, 10-20 minutes après, il s'est mis à piailler. Donc il a eu de la chance, parce que bah, sinon, il a eu de la chance qu'on l'ait gardé en fait avec nous, sans vraiment de... Enfin voilà, on l'a gardé, mais on ne sait pas tellement pourquoi on l'a gardé comme ça, voilà. Et du coup, et bah voilà, donc du coup on l'a gardé, on l'a mis dans une boîte qu'on avait à la maison. On lui a fait chauffer une bouillotte qu'on lui a mis, on lui a mis une couverture dessus et plusieurs fois par jour je lui ai changé sa bouillotte, je lui ai remis de l'eau chaude à chaque fois pour que ça lui tienne bien chaud. Enfin, de toute façon vous allez voir, je vais vous mettre plein de photos, etc. Et en fait il n'allait pas s'alimenter tout seul ni boire tout seul, donc on était obligé de le prendre pour lui donner à boire les deux premiers jours. Et il s'est avéré qu'on remarquait aussi qu'il ne se déplaçait pas, puisque il n'arrivait pas à se tenir sur ses deux pattes. Il a commencé peut-être au bout de 3-4 jours vraiment à se déplacer tout seul,
et très difficilement, mais maintenant il va beaucoup mieux, comme vous avez pu le remarquer, il arrive à se soulever tout seul, donc on est ravis. Donc voilà, donc on l'a appelé Kinder parce que c'était une surprise de trouver un poussin à l'intérieur, comme donc les Kinder Surprise, tout simplement. Donc voilà pour cela. Et ensuite, avant de vous montrer les deux autres, tout simplement, enfin déjà, normalement, je vais vous mettre là les vidéos. Donc deux petits Kinder de son arrivée, etc. Avant de vous les présenter, en fait au début il y en avait 5, voilà tout simplement il y en avait 5, elle en a fait éclore 5, etc. Sauf que bah il y en a le premier ont éclos pendant la nuit, etc. On n'était pas là, on n'avait pas vu que enfin les œufs n'étaient pas encore percés, etc. Ils ont tous éclos pendant la nuit, donc c'était pas forcément prévu, etc. C'était un peu tôt, enfin bon, voilà. Mais ce qui fait qu'en fait il y a un poussin qui s'est échappé et nos voisins l'ont retrouvé le lendemain. Ils l'ont récupéré, on est allé le chercher, etc. On l'a remis avec la mère, sauf qu'il avait attrapé froid, il était trop faible, etc. pour rester sous sa mère. On n'a pas pensé forcément tout de suite à le garder. C'est vrai qu'on a tout de suite pensé à le remettre avec sa mère, ce qui nous paraissait le plus logique. On n'aurait pas forcément dû, on aurait dû le garder, il serait peut-être encore vivant, mais bon, c'est trop tard, c'est pas grave. C'est comme ça, hein, de toute façon, c'est la nature, hein, voilà. On peut pas y faire grand-chose. Enfin, tout ça pour dire que le lendemain, le petit caneton, voilà, n'était plus parmi nous. Et donc, il nous en restait plus 4. Ensuite, c'est assez compliqué, hein. En fait, on l'a enfermé la canne toute seule pour pas qu'elle soit avec les autres canards, les poules, etc. Puis pour pas qu'elle sorte, pour pas que les canetons se fassent manger par des oiseaux ou des chats qui passent, etc. Donc on a tout bien fermé et tout ça. Et un jour, quelques jours après, peut-être trois jours après, quelque chose comme ça, un caneton a disparu en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand je suis venue pour leur donner à manger, il manquait un caneton. Donc on a fait tout le tour pour voir si on arrivait à le retrouver, etc. On l'a pas retrouvé, voilà, il nous en restait plus que 3. Et 2 jours après, rebelote, on avait pourtant mieux fermé, etc. pour pas qu'ils sortent, vraiment c'était bien fait et tout ça. Mais voilà, le caneton, on ne sait pas comment, est arrivé à partir... arrivé à sortir, donc pareil, voilà. Sauf que cette fois-ci on s'est dit on va les récupérer, on va les mettre avec Kinder pour être sûr, voilà, pour être sûr qu'il leur arrive plus rien, on va s'en occuper, etc. Donc ils sont juste ici et je vais vous les montrer maintenant. Alors, le voilà, le bébé. Alors, ici, on a Tic, parce qu'il s'appelle Tic et Tac. Et en fait, Tic, il est légèrement plus clair que Tac. Voilà, ils sont vraiment très gentils, comme vous pouvez le voir. Alors, les deux là sont moins nerveux, hein. Donc voilà, je pense que vous pouvez le voir un peu mieux. Alors, ils ont pris... ils ont bien grossi. Depuis qu'on les a pris, hein, ils ont vraiment pris du poids. Étant donné qu'ils n'avaient plus à lutter contre le froid, ils ont bien grossi, bien grandi. Voilà, je vais le remettre et je vais vous montrer le deuxième tout de suite.
Et voici le petit tac. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous pouvez voir, hein. Enfin, je sais pas si vous avez vraiment remarqué la différence à la caméra, c'est un peu compliqué, mais il est plus foncé que tic. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, ils sont vraiment très très gentils. Alors voilà les bébés. Puis surtout que moi j'essaye de les prendre assez régulièrement quand même, enfin sans non plus exagérer, hein. Tout simplement même de leur parler, etc. pour qu'ils s'habituent à moi. Et donc par la suite, et ben voilà, ils soient plus sociables, etc. Voilà. Qu'ils n'aient pas peur de nous, ce serait bien. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est des mâles ou des femelles, mais on pense que Tic et Tac sont peut-être plus des femelles. Et Kinder, un mâle, étant donné qu'il est beaucoup plus gros. Je vais le reposer. Donc voilà. Donc oui, on pense plus que Kinder est un mâle parce qu'il est plus gros que les deux autres. C'est pas flagrant, flagrant, mais il est quand même plus gros. Après, ça fait quelques jours à peine et on se dit peut-être que c'est parce qu'il a plus profité au début que les deux autres, puisqu'il a été directement avec nous, donc il n'a pas eu à lutter contre le froid, il mangeait à sa faim, etc. Donc c'est peut-être pour ça. Maintenant, on verra par la suite. Et donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc là, vous les voyez, ils ont à peu près, je dirais à peu près une semaine. Peut-être un peu moins, 5 jours, une semaine, 5 jours. Mais je pense quand même plus une semaine. Donc voilà. Ça m'a l'air d'être à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, je vous laisse avec 2-3 vidéos que je vous mettrai juste après des 3 petits loulous. Et par la suite, je vous reposterai une vidéo de leur évolution. C'est-à-dire de maintenant. Jusqu'à peut-être dans un mois ou peut-être avant, on verra. Je vous porterai une évolution, une première évolution, puis une deuxième évolution, donc de eux après, pour pas que ça vous fasse trop long et que vous ayez des nouvelles à peu près d'eux. Mais si vous voulez avoir d'autres nouvelles un peu plus rapidement, etc., de voir quelques photos, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Le lien est en barre d'infos, enfin la chaîne est en barre d'infos. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!